Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre maintenant comment faire pour installer la RAM 16 Go DDR dans le PC Nitro 5. C'est un PC presque neuf. Je l'ai acheté il y a quelques mois. Il est sous garantie, mais il n'a que 8 Go de RAM à l'intérieur. Et pour travail de virtualisation, j'aurais besoin d'un peu plus. Donc, je rajouterai 16 Go à 8 Go, j'obtiendrai 24 Go de RAM, qui est vraiment suffisant. Ce PC, il peut aller jusqu'à 64 Go de RAM. J'ai scanné sur Crucial et j'ai trouvé les références. Que ma DDR4 est de 2666. J'ai acheté presque la même chose. Là, c'est la marque Crucial et à l'intérieur, c'est Kingston. Maintenant, je vous montre qu'est-ce que vous aurez besoin comme matériel. Voilà, c'est du matériel que j'ai récupéré en achetant un écran de téléphone et ce kit-là était venu avec. Vous auriez besoin de ça pour récupérer certains vis en cas où elles tombent. Et cette boîte à tournevis de précision que vous pouvez avoir à moins de 20 euros dans les magasins de bricolage ou bien sur Internet. Donc la première des choses, c'est de bien éteindre le PC avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de débrancher tous les accessoires, la clé USB, la souris, tout ce qui est branché. Donc, je mets en arrêt. Voilà. Faut pas se presser, il faut attendre que le PC soit bien en arrêt. Donc, essayez de dégager de la poussière si vous avez de la poussière sur votre PC. Voilà, et bien le fermer. Et de travailler surtout sur un plan souple et propre pour éviter de gratter les surfaces de votre PC. Voilà. Il faut le tourner comme ça. Et choisir le tournevis cruciforme qui va avec les vis qu'on a ici. Voilà, je prendrai celui-là. Faire un test. Voilà, impeccable. Donc, voilà. C'est vraiment très simple à dévisser, mais il faut faire attention comment déboîter le cache en plastique. La première étape est très simple. Pour ne pas perdre les vis, moi j'ai une technique, je prends un aimant et je colle sur un aimant. Comme ça, vous n'aurez pas de risque de perdre les vis. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Aussi d'utiliser cette technique très simple. Pour dévisser, il n'y a rien de plus simple. N'oubliez pas d'enlever toutes les vis. Faut pas forcer. Dans certains modèles, l'accès à la RAM et par ici, il suffit de juste dévisser une seule vis. Et l'accès pour la SSD, c'est par ici. Mais dans ce modèle que j'ai moi-même, il faut enlever tout le cache en plastique. Mais ce n'est pas compliqué. Voilà.
bien vérifier que j'ai enlevé toutes les vis. Voilà, bien regarder en face. Sur ce modèle, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Après, la prochaine étape, c'est de bien chercher l'endroit où on peut enlever le cache. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, on peut faire entrer. Il faut quelque chose de très mince, par exemple celle-ci. Voilà. On rentre quelque chose de très mince d'abord. Après, on vient avec celle-là pour déboîter. Il faut aller doucement. Il ne faut pas se presser parce que ça risque de casser. Sur certains modèles de PC, c'est très simple. Sur celui-là, je dirais que un petit peu compliqué. Mais rien ne presse. Là. Venir par là d'abord, c'est mieux. Et j'ai un autre outil qui me facilite la tâche, celui-ci. Voilà. Mais il faut aller vraiment, vraiment doucement. Je peux caler comme ça et faire la suite de cette manière-là. Voilà. C'est bien d'utiliser une cale pour que ça ne referme pas. Et voilà. Il ne faut pas se précipiter. Il faut ouvrir avec celle-ci doucement, doucement. N'hésitez pas à utiliser aussi celle-là. Voilà. Là, c'est presque ouvert. Il ne faut pas tirer pour voir où est-ce que c'est accroché et venir avec cet outil faire la suite. Voilà. Pas juste tirer. Il faut aller étape par étape. Voilà. C'est accroché par là aussi. Voilà. Faut aller doucement. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir un plan souple parce que j'aurais besoin de tourner des fois. Et voilà. Là, tout est décroché. Voilà. Vous pouvez profiter de cette occasion pour nettoyer votre PC. Vous pouvez utiliser un aspirateur. Un petit aspirateur. Voilà, je vous montre comment nettoyer. Ça, c'est les ventilos de refroidissement. Et là, vous voyez que c'est vraiment encrassé un petit peu. Donc, l'emplacement pour la RAM, c'est bien clair. On a un slot libre. Et là, c'est les SSD. Vous pouvez profiter aussi pour upgrader les SSD. Voilà. Moi, dans mon cas, j'aurais besoin juste d'upgrader la RAM. Donc, vous pouvez utiliser un aspirateur manuel. Donc,
pour la rame, c'est bien facile de la mettre en place. Il faut juste respecter la position. Là, je vois que l'écriture, elle doit être en bas. D'accord? Donc, on n'aura pas ça de face. C'est pour cacher la marque, peut-être. Mais bon. On va mettre ça ici. Et appuyer légèrement. Ça va clipser. Vous allez entendre un bruit. Voilà. C'est fait. Donc, c'est une opération très simple. C'est la plus simple à faire. Il faut juste faire attention au cache. Et là, n'essayez pas votre PC sans remettre le cache. D'accord? Par mesure de sécurité. Donc, voilà. Donc, j'essaie de le remettre tel que je l'ai ouvert. Commencez par la partie que j'ai ouvert en dernier. Et terminé. Bien clipsé avant de serrer et pour que le boîtier soit complètement fermé et de bien vérifier. Voilà, rien ne presse pour faire un bon travail. Voilà, faire doucement et voilà. Là, c'est bon, mais il faut remettre aussi les vis. Je préfère essayer quand tout soit bien fixe. Voilà, je reprends le même tournevis. Et je remets les vis soigneusement. Que ce soit pas en mauvaise position. Voilà. Pour faire un travail propre, déjà le PC il est sous garantie, donc il faut pas forcer les vis. Pas laisser de traces. Peut-être je vais perdre la garantie, mais j'ai pas le choix. La RAM, elle m'a coûté 75 €. Je vais vous montrer le lien où est-ce que j'ai acheté la RAM et comment j'ai fait pour scanner mon PC et savoir le besoin, bien identifier le besoin. Sur le site Crucial, il y a moyen de scanner votre PC et d'identifier le besoin. 'Car on ne peut pas mettre n'importe quoi dans n'importe où. Voilà, j'ai remis tout cela. Je m'assure que je remets toutes les vis dans leur place parce qu'il ne reste aucune, donc tout est bon. Maintenant, je redémarre mon PC. Il va mettre un peu plus de temps pour démarrer.
vu qu'il va reconnaître, il va essayer d'identifier la nouvelle RAM. Voilà, le PC est en train de démarrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder les infos système. Pour cela, clic droit sur démarrer et système. Et là, vous auriez les informations. Mémoire RAM installée 24 Go. Je vous mettrai la photo. La première photo, j'avais que 8 Go. Là, le travail est bien fait. Voilà. Et vous pouvez aussi faire gestionnaire de tâches. Et vous allez voir l'utilisation de RAM. Mémoire, utilisation de RAM, 16%. Performance, voilà, mémoire, 16%. Avant que je fasse ça, la performance, l'occupation était de 52%. Voilà. Et là, j'ai 19,9 de gigas de RAM disponible. Je suis en train d'utiliser 4 gigas de RAM, ce qui correspond à 17%. Voilà. Là, 16%. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo. La capture d'écran avant que je change la RAM, c'était 52% ici. Voilà. Et là, je refais le scan sur Crucial. Voilà. Crucial.fr. Là, pour voir quelle est la différence entre avant et après l'installation de la RAM 5 Go. Voilà. Et là, on va voir quelle est la différence. Donc, voilà. Le score que je viens de d'avoir, c'est toujours 212, supérieur à la moyenne. Voilà. Et là, il me fait l'analyse de ce que j'ai et ce que je peux upgrader. Ce que j'ai maintenant, c'est bien ça, 8 Go. Plus 16 Go. C'est celle-là que je viens d'installer maintenant. J'étais avant à 8 Go. Et je peux y aller jusqu'à maximum 64. Mais 24, c'est largement suffisant pour ce que je vais faire de mon PC. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker et de vous abonner pour voir de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine.